Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ce sera la première vidéo de l'année où je vous montre un calendrier de l'Avent. Alors sincèrement, ça fait bien un mois et demi que sur YouTube, on ne voit que ça. Et moi personnellement, ça m'a braqué. D'une part parce qu'il y en avait trop, et de deux, je trouvais ça extrêmement tôt. Et puis aussi, il n'y en avait pas forcément qui me donnait envie. Il y avait déjà de base le calendrier d'Avent de chez Catrice, je me trompe pas sur la marque, mais quand j'ai voulu commander, c'était sold out. Donc déjà, premier petit coup de cœur, c'était passé sous le nez déjà. Et puis j'ai vu passer celui de chez Action. Donc je sais plus chez qui je l'avais vu, parce que des personnes que je suis... Je crois qu'il y en a quasiment toutes qui l'ont faite, cette vidéo d'ouverture de calendrier justement. Et sur une des filles, j'ai regardé juste le tout début et je me suis dit bon, allez, on va craquer. Étant donné que la Catrice je l'ai pas eue, je me suis dit ben voilà, on va prendre celle de chez Action. Et le voici, le petit calendrier. En plus je dis celle depuis tout à l'heure, mais non, je parle au féminin alors que non, c'est au masculin. Ça commence bien, Sève. Donc voilà. En tant que ça bouge. Donc déjà, quand je l'ai vu sur les vidéos, à chaque fois, moi, dans mon Action, j'ai vu sur les filles de Belgique. Et moi, en France, depuis que j'avais vu la vidéo, je cherchais tout le temps dans mes Actions à moi, en France. Et à chaque fois, il n'y avait rien du tout, sauf le calendrier spa qui est tout vert. Donc c'est tout ce qui est skin, hein, pour le corps, le visage et tout. Mais moi, c'était vraiment le calendrier, du coup... celui-ci en make-up. Et puis j'ai une copinette, Nadine, qui en allant à l'Action, qui habite à côté de chez moi, qui en allant à l'Action l'a vu et elle m'a dit tu veux que je te le prenne. J'ai dit bah allez. La première fois qu'elle l'a proposé, j'avais pas vu son message de suite, donc c'était trop tard. Et là par contre, la deuxième fois, j'ai dit si, vas-y. Et tout de même, le surlendemain, j'y suis allée et ça y était quand même en rayon. Donc même si elle me l'avait pas pris, j'aurais eu quand même. Mais au cas où, je voulais pas tenter le diable. Donc c'est un calendrier qui coûte 15,95€ et vous apercevez ici certains articles du calendrier. Et franchement, je trouve pas ça cher du tout. A savoir aussi que côté make-up de chez Action, je crois que je n'ai jamais testé. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai vraiment jamais testé le maquillage de chez Action. À part, vous savez que de temps en temps, je vous ai fait des crash tests sur les grandes palettes. Mais après, tout le reste, je pense pas avoir testé, ça me dit rien du tout. Et même là, quand je vois les articles, c'est même sûr que j'ai jamais testé. Une des raisons aussi qui a fait que j'ai dit, bon allez, on craque sur celui de chez Action. Mais c'est pas tout, vous allez voir bientôt aussi un autre calendrier l'Avent qui lui était pas prévu du tout. Je savais même pas qu'il faisait un calendrier l'Avent. Et quand j'ai vu ça passer, j'ai dit oula, 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 je veux pas le louper. Alors c'était sold out, mais il disait de prévenir. Donc vous savez, vous mettez le mail et il vous envoie un mail une fois que c'est en réassort. Dès que j'ai eu le mail de réassort, j'ai sauté dessus de suite. Donc prochainement, vous verrez un autre calendrier, j'en dis pas plus. Donc sans plus tarder, on va l'ouvrir. J'ai laissé encore sous blister, j'ai strictement rien ouvert. Hop, donc déjà on enlève le plastique. Le calendrier en lui-même, ben, j'aime bien le packaging comme ça. Ça fait style les trucs anti-stress là, comment ça s'appelle là, je sais plus comment que ça s'appelle, ceci là. Hop, ça. Comment que ça s'appelle ça, tu sais, le style de dessin? Ok. Donc par contre je vais voir si je peux me reculer. Voilà, vous me voyez un petit peu plus loin, je pense que ce sera plus pratique pour montrer. Donc vous ouvrez ici, hop, et puis vous avez toutes les cases comme ceci. Voilà, et il y a 24 petits compartiments, enfin 24 box ils appellent ça. Donc on commence tout de suite par la case numéro 1, si j'arrive à l'attraper. Le pire c'est que j'avais vu, je vous dis ça, il y a à peu près un mois, je sais plus du tout ce qu'il y avait dedans. Dans les débuts en tout cas, parce que je crois que j'ai vu les 2-3 premiers. Donc case numéro 1. Ah oui, ça je l'ai vu, je me rappelle. Et ça c'est sûr, j'ai jamais testé. De toute façon je vous ai dit, je crois que j'ai jamais testé aucun truc de chez Action, mis à part les grandes palettes. Donc ici on a, si je dis pas de bêtises, un eyeshadow liquide comme ceci. Voilà, liquide eyeshadow. C'est la teinte 286 Stunner en 4 ml. Ensuite en numéro 2 on a, qu'est-ce que c'est? Ben ça je me rappelle plus du tout l'avoir vu. Un liquid highlighter. Alors ça, les highlighters liquides, c'est pas trop mon style de d'highlighter. J'aime bien tout ce qui est poudre compacte. Mais
Voilà, j'ai testé récemment, enfin il y a un petit moment quand même, de chez Marc Jacobs. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet où je testais toute la marque Marc Jacobs et miniature en plus, le highlighter aussi. Et j'avais bien aimé ma foi. Donc du coup, ouais, pas mal de tester ça aussi. Ensuite, on a la case numéro 3 qui est un petit peu plus grande comme ceci. Et je crois que c'était la palette que j'avais passée, non? Je sais plus. Ah non, c'était le mascara. Donc ça, je l'ai vu aussi. Voilà, mascara comme ceci. À tester. Je sais pas du tout la brosse. De toute façon, je vous montre tout en close-up. Mais là, à l'instant T que je vous parle, je sais pas du tout comment est la brosse. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas mal. En numéro 4, on dirait une petite feuille. C'est tout, tout, tout léger. Ah oui, c'est une petite feuille. Alors ça, j'ai pas vu, donc j'ai vraiment vu les trois premiers. Ah, j'adore. Ça, c'est pour mettre sur les ongles. La déco de Noël. Ça, j'adore par contre. Vous avez des petits sapins, des petits cadeaux, des petites cannes à sucre, des flocons de neige, des petits nœuds papillons. Vraiment, j'adore. Et ça, par contre, je vais l'utiliser pour Noël. En case numéro 5, comme ceci. Ah, déjà, ça fait un peu plus de bruit. Peut-être un rouge à lèvres. Non, on a encore un petit tube. Tube de quoi ? Overnight Lip Mask. Ah, c'est pas mal ça. Et ça, j'adore utiliser le soir justement avant de me coucher, ce style de lip mask. Donc ça, pareil, je suis contente. En case numéro 6, c'est très très léger aussi, je sais pas ce que c'est. Et ça a pas l'air de trop bien bouger. On a une lime à ongles. Et ça, j'adore. C'est le genre de petit détail. En plus, en format tout petit comme ça, j'adore. Vous mettez dans le sac et j'ai tout le temps besoin de lime à ongles. Donc ça, voilà, c'est un petit accessoire qu'on a tous besoin. En numéro 7, un petit peu plus grand comme ceci. Vous avez vu d'ailleurs les couleurs, c'est en style bleu nuit, très joli, avec, c'est pas doré doré, mais c'est teinte dorée. Je trouve ça très joli. Et ici, on a un gloss transparent, lip gloss transparent. Ça par contre, je ne vais pas le garder parce que j'utilise pas ce style de produit tout simplement. Donc je le mets de côté pour le mettre en concours. Et je verrai ce qu'il y a à la fin, je pense que je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo... où je crash teste tout. Tout ce que j'ai gardé en tout cas. Je pense que ça peut être pas mal ça. Dites-moi si ça vous intéresse, mais moi je pense que je vais le faire. En numéro 8. Hop. Ouh, ça. Ça fait le bruit d'une petite éponge. Et ça aussi, c'est pareil, j'ai jamais testé. Tout petit. Ah ouais, en plus elle est bien souple comme j'aime. Donc ça, je sais que je vais adorer. J'adore quand c'est souple comme ça. Et tout petit format. Donc ça, c'est cool. En numéro 9, un petit peu plus grand que le numéro 8. C'est léger aussi, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est tout léger. Ah, qu'est-ce que c'est? Blotting paper. Ah oui, ça c'est les papiers matifiants. Hop, comme ceci. Et ça, c'est des produits que je n'utilise pas. J'ai pas besoin de ça, je poudre, ça suffit largement pour moi. Donc ça, je le proposerai du coup en concours. Quand, je sais pas, mais je vise de faire un concours déjà pour la nouvelle année. Soit pour avant Noël, soit pour la nouvelle année, ou les deux, je sais pas. Ça dépendra aussi de ce que j'ai comme produit à vous proposer en concours. Ensuite, en numéro 10. Ouh, pas trop secoué. Un tout petit truc, qu'est-ce que c'est? Lip Balm Coconut. Et ça, on n'a jamais assez aussi. Tout le temps, j'en utilise. C'est un petit peu le même principe que le lip masque de nuit. J'adore. Coconut, on va voir si ça sent vraiment le coco. Je le sens pas du tout le coco. Coconuts, mais je trouve pas que ça sent le coco. Tant pis. Ça m'empêchera pas d'utiliser parce que j'adore ce style de produit. Ensuite, en numéro 11, on arrive bientôt à la moitié. Ouh, ça aussi c'est très léger, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, alors ça c'est génial, un coton réutilisable. Ah, ça c'est cool. Et ça c'est pareil, j'utilise énormément. Et en plus, ce que je vois qui est bien, c'est que vous pouvez mettre vos doigts dedans. C'est plus pratique du coup pour démaquiller. Génial, j'adore. J'en ai énormément, pas de chez Action d'ailleurs. Et il n'y a pas du tout justement le truc pour tenir. J'adore l'idée. Donc ça, je suis trop contente. Bon, vous ne le verrez pas forcément en crash test ou quoi que. Peut-être que je vous mettrai un petit close-up au moment où je me démaquille, je l'utilise. Ce serait pas mal ça aussi. Ensuite, la numéro 12 et on arrive à la moitié. Qu'est-ce que c'est? J'ai du mal, il y a des trucs j'ai du mal à reconnaître. Ah, qu'est-ce que c'est? Alors, on a quoi? Un masque. Alors, en temps normal, je n'utilise pas les masques. J'ai déjà testé les masques. Vous savez, vous avez la forme du chat, panda et tout. Et ça, ma peau, elle n'a pas du tout aimé. Mais que ce style de masque-là. Ça, après, peut-être que c'est pas du tout pareil. Donc, je vais quand même le garder et le crash tester. Parce que peut-être que j'aurai pas du tout le même effet que j'ai eu avec ceux que je vous expliquais juste avant. Il y avait tigre, je crois, chat, lion,
panda, tous les petits trucs comme ça, où quand vous mettez le masque et vous avez la forme de la tête de l'animal. Mais ça, ma peau, elle a pas supporté du tout. Ensuite, en numéro 13, ça semble très light aussi. Ah, des repousses cuticules. Voilà, ça c'est pas le style de produit que j'utilise forcément, mais j'utilise pour autre chose, des fois pour réparer les fards quand je les reçois cassés. Ça me permet de casser, mais pas pour les cuticules. Donc quoi qu'il arrive, je garde, parce que j'utilise pour autre chose. Après le numéro 14, où es-tu? En plus ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas tout qui est mélangé, ça se suit plus ou moins. Donc ça reste pratique à chercher. Là on a un gros carré. Qu'est-ce que tu es? Ah! On a encore un autre liquide eyeshadow. Mais cette fois-ci, c'est la teinte Go Glam en doré. L'autre, il était plus teinte champagne, le premier que je vous ai montré. Qui était dans la case 1 d'ailleurs. Ça, en temps normal, c'est pas le style de produit que j'aime utiliser, mais voilà. Quand j'aimais pas utiliser, ça date d'il y a au moins 5 ans. Donc, faut que je réessaye. Peut-être que maintenant j'aimerai, j'en sais rien. En numéro 15. Là, encore une fois, c'est ultra léger. On a un petit pinceau. Tout petit pinceau. Et en plus, c'est le style de pinceau que j'adore utiliser pour mes cut creases. Ou pour bien nettoyer quand je fais mes sourcils. Hop. Et que je mets du coup le primer sur toute ma paupière. J'utilise ce style de pinceau. Donc ça, je garde, c'est génial. En plus, en petit format, ça prend pas de place. Je le poserai là quelque part dans mes petits compartiments sous le miroir là. En numéro 16, on a le même carré que le 14. Et c'est un petit peu plus lourd. Pas lourd lourd, mais un petit peu plus lourd. Et on a une poudre comme ceci, une poudre de finition. Et ça, c'est pareil, j'ai jamais testé. Encore une fois, je répète, de toute façon, j'ai rien testé. Avec un gros M, à savoir aussi que c'est Max & More, le calendrier. Chose que j'ai pas précisé en début de vidéo. Et du coup, là, vous avez le M de Max & More dessus. Donc j'espère que ça fait quelque chose, ma foi. Ça marche bien, je sais que c'est pas très cher. J'ai déjà vu passer dans le rayon. Il y en a tout le temps. Numéro 17. On revient. Ah, peut-être une éponge encore. Une plus grosse peut-être. Non, pas du tout. Ah, pour nettoyer le pinceau. Voilà. Vous grattez dessus. Ça, j'en ai déjà un peu plus gros que j'avais vu chez Birchbox. Mais ça, voilà, pour partir en séjour, du coup, vu qu'il est petit, si vous devez nettoyer votre pinceau, c'est très pratique. Donc ça aussi, c'est pas mal. Vous savez en plus que j'aime bien tout ce qui est format mini, donc franchement, j'adore. Un numéro 18. Encore un tout miriki, peut-être un crayon. Ah oui, un crayon. Qu'est-ce que c'est comme crayon? Attendez, j'ai fait tomber le plastique. On a un petit embout mousse, mais mousse style siliconé, ici. Et c'est... Qu'est-ce que c'est? J'ai pas écrit. Cool pencil. Et rétractable, parfait. Du coup, hâte de tester. En temps normal, j'adore utiliser mon... Marc Jacobs, mais c'est vrai que étant donné que j'adore mon Marc Jacobs, je prends pas la peine de tester d'autres. Donc ce sera l'occasion chez Action du coup. Le numéro 19, on arrive bientôt à la fin. Ça va vite, mine de rien. J'ai mon petit bout qui regarde en même temps. On a encore un crayon. Et là, cette fois-ci, on a un crayon doré. Eye Pencil, crayon yeux. C'est pas cool, mais c'est crayon yeux, c'est pareil. Tout doré. Il est très très joli d'ailleurs. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est le style de crayon qui font... vous avez un set où il y en a 10 dedans, je crois. Il y avait des colorés et récemment, ils avaient sorti des teintes pastel. Et je pense que ce crayon fait partie de, ce style de, crayon. En numéro 20. Ah, on a encore dans du léger. J'ai pas trouvé la palette encore. J'ai vu qu'il y avait une palette sur le dessin dessus, j'ai pas tombé dessus encore. On a un petit crayon en numéro 20. Voilà. Ça, c'est pareil. On en a toujours besoin justement pour tailler les crayons. Pas forcément de maquillage, mais pour tailler les crayons tout court. Numéro 21. Qu'est-ce que c'est? On n'est pas tombé sur des rouges à lèvres encore. Il y en a ou il n'y en a pas? Un petit tube à primer pour les yeux. Voilà. Donc ça, c'est juste avant justement de faire... vos yeux. Moi en temps normal j'utilise la P. Louise. Et j'ai eu testé avant P. Louise justement la Too Faced, j'avais pas aimé. P. Louise du coup vu que j'adore je suis restée dessus et j'ai jamais testé d'autres primers. Donc ce sera l'occasion encore une fois, ce sera chez Action. Et en plus le format, attendez je reprends, 5 ml donc ça dure longtemps quand même. En numéro 22. Alors là quand on fait ça on a l'impression qu'il y a strictement rien du tout.
tellement que c'est léger. On a quoi? Une petite feuille. Ok. Ah, ça par contre je garderai pas. J'utilise pas ce style de stickers pour les ongles justement, pour remplacer le vernis. Ça, c'est pas le style que j'aime utiliser sur mes ongles. Donc ça, pareil, je vous le garde pour vous, pour un concours. Alors peut-être dans la 23, parce que la 24 c'est une case carrée et la 23 elle est en long comme la 22 je vous ai montré. Alors, peut-être qu'on aura la petite palette. Même pas. Bah mince. Là on a quoi? Nail et cuticle cream. Donc ça c'est une crème pour les ongles. Pour nourrir sans doute là, pour éviter d'avoir des petites peaux. Voilà, pour nourrir le contour de l'ongle. Et sans doute l'ongle en 10 ml. Ça c'est vrai que c'est un style de produit que j'utilise jamais, jamais, jamais. Donc je vais le garder parce que ce serait peut-être l'occasion que je m'en occupe. Hein. Avec l'âge, les ongles ils prennent cher aussi. Il n'y a pas que les rides qui arrivent, hein. Les ongles, les mains prennent cher aussi. Et enfin la case 24. Dans la logique, il devrait y avoir la palette que j'ai vue en photo. Et c'est ça. Elle est pas cassée, c'est cool. Hop, dans les teintes. Dans les teintes. Les teintes festives. Comme ceci. Dans du nude. Hein. Donc on a deux mats, un blanc et un plus crème. Et après on a que des irisés. Donc j'avoue quand même que ce serait compliqué tout de même de faire un look qu'avec ça. Donc dans le crash test, je pense que j'utiliserai du coup le kohl pour faire du coup une teinte foncée et je jouerai avec les irisés lumineux ici. Parce que là du coup c'est vrai que pour faire plus foncé ici, on n'a pas trop les couleurs qui vont avec. Mais j'aime beaucoup. Là on a que du nude donc j'aime beaucoup. C'est pas les teintes que j'utilise tout le temps, mais que j'aime utiliser, voilà, pour les occasions comme Noël. Eh ben écoutez, voilà pour ce calendrier. Ben franchement, j'aime beaucoup. Je crois qu'il y a que trois choses que je vous ai dit que je garderai pas parce que c'est pas mon style de produit que j'aime utiliser. Et au final, c'est un calendrier qui est quand même assez complet. Seul bémol au final, c'est qu'à part le lip gloss, ben on n'a pas de rouge à lèvres, on n'a pas de lip liquide teinté. On n'a qu'un lip gloss transparent. Et ça par contre, je trouve que c'est dommage. J'aurais aimé avoir du coup un lipstick ou voilà, un lipstick de ce style-là. Voilà, de chez Max & More. Ça, c'est pas Max & More, mais c'est chez Action que c'était vendu. Un style de lipstick comme ça, ou que je porte aujourd'hui d'ailleurs, parce que j'adore. Ou comme je vous ai dit, un lip liquide, pas gloss, mais un lip liquide teinté. Ou alors un gloss teinté. Là, que transparent, je trouve ça dommage. Donc ce serait au final, du coup, le seul petit bémol que j'y mettrais dedans. Et aussi, on n'a pas du coup de blush, ni de bronzer. Donc je ferai le crash test, mais il y aura tout de même, quand même, malgré tout, des produits autres que le calendrier que je vais devoir utiliser. Mais c'est pas grave. Donc j'espère que cette petite ouverture de calendrier vous aura plu. N'hésitez pas à les fouiner si elle vous encore une fois, j'ai le mot féminin, si il vous intéresse, parce que c'est en ce moment dans les magasins. Et comme je vous ai dit, il y a aussi ce calendrier en ce moment, et beaucoup, 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 le calendrier tout vert. Spa, je pense que celui-là, il marche pas beaucoup cette année. Donc si cette ouverture de calendrier vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Pensez aussi que il va y avoir encore une ouverture de calendrier, je ne vous dis pas le nom, vous verrez bientôt. Je crois que ça me revient le nom, Mandala, je crois que c'est ça. Ça... Mandala, c'est ce que j'avais pris, je crois, à ma fille dans des cahiers, justement, de chez Action, d'ailleurs. Et puis, si vous, déjà, vous l'avez trouvé avant moi, et que vous avez déjà ouvert, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si il y a les mêmes choses, du coup, que vous n'avez pas gardées, ou les mêmes choses que vous allez garder, peu importe. Dites-moi tout ça en commentaire. Maintenant, je vous laisse, et en attendant la prochaine vidéo, je fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Bye!